New objective. Qu'une seule balle. Maintenant, on va compter sur 10 ressources pour rattraper le manquement. Très rapide ce coup-là, mais bon, on essaie quand même de jouer de rattraper le coup. Donc là, ça part sur full Jaguar Camaleon. J'ai le choix entre perdre des unes de deux ou bien aller sur tort. Je préfère prendre le bombardier, donc je vais sur terre. Par contre, il n'est pas très rapide. Hein. Il a pris deux bâtons plus que moi au milieu. Normalement, à 6 minutes 20, un garde son level devrait déjà être en train de m'attaquer avec Jaguar et Caméléon. Parce que la résistance souvent il t'attire vers un côté pour attaquer de l'autre. Alors je vais pas trop aller sur feu, je vais retourner à ma position, je fais une petite observation avec mon vertex. Voilà, c'est bon, il recule. La big base 900 de ressources, donc on voit qu'il veut essayer de jouer la camp et la bombe, mais ça n'a pas marché pour lui. Toujours faire des petites frappes avec le vertex, toujours. Histoire de l'harceler un peu, lui montrer qu'il n'y a pas que lui qui attaque. Donc là, on a perdu deux tours. Mais bon. Enfin, un. Là, on a niqué deux usines. Lui il est déjà HQ5.
petite perte de contrôle. Je vais pas le chercher directement parce qu'il se pourrait qu'il m'attaque de deux côtés en même temps. Donc je vais pas trop paniquer, pas trop aller chercher directement. Et bon, j'ai toujours un groupe d'unités de réserve pour protéger mon autre flanc. Là, je vais aller le chercher. Parce qu'il prend confiance. Là, il a pris confiance. Je vais lui montrer qu'on est toujours là. Il va venir par là aussi. Hein. Donc là, voici l'exemple parfait de la vitesse des troupes de la résistance. Par exemple, un flux de ce scout véhicule, leur véhicule se déplace vraiment, vraiment très rapidement. Impossible de le rattraper avec Zeus. Là, j'ai perdu tous mes torts, mais je lui ai encore niqué deux visibles. Donc là, j'ai perdu le contrôle des deux premiers avions pour faire une observation. Juste pour être sûr qu'il n'est pas la bombe. Mais bon, si tu vois bien, sa base, c'est qu'il veut vraiment partir sur la bombe. Alors moi, j'enchaîne directement, à part les centrales électriques, les antilleurs, avant de construire la bombe. Dans ce tournoi, on nous reproche souvent de camper dans une base et de jouer bombardier de bombes. Mais comment tu vas attaquer? Regarde le nombre d'entrées qu'il y a. Les unités de la résistance sont trop rapides. Si on quitte notre base trop vite, on se fait prendre sur un côté. Donc je comprends pas les joueurs qui disent « Ouais, camp de base, space system », parce que lui, à la fin de ce combat, il a pas arrêté de mettre des phrases que je vais pas dire. Parce qu'elles sont vraiment vulgaires. Histoire de
va nous faire perdre du temps pour construire de nouveaux aérodromes. Et moi, je pars sur une production de la bombe. Les deux fronts sont protégés. Toujours trois avions, c'est Nicolas. Par contre, il n'a pas été malin. Il a plus cherché à détruire les défenses au sol que les défenses aériennes. Donc là, il va m'attaquer avec ses avions, mais il va rien faire parce que voilà, les antilleurs, les tankers. Et voilà, fin du match. Ça sert à rien, mon coco, ça sert à rien. Il y a trop de vis qui t'attend. Du match.